Est-ce que je peux la pirater? Excellent. Jeanne d'Arc, moi aussi je te vois. Profession, belle connasse, revenu, erreur. Pas mal, excellent. Ben en fait, je suis sûr que dans le mois d'octobre, on a gagné exactement ce qu'il fallait pour tout payer. Bon, sauf que là, on est le 29. On va devoir virer Aiden. Et ben. Oh, ça me fait mal. Mais j'ai pas le choix. Désolé, Aiden. Sauf que c'est même pas parce qu'il est mauvais, c'est juste parce que. Ben voilà, succès déverrouillé, trop cher. En plus, j'ai déverrouillé un succès pour ça. Je ne veux aucunement avoir une récompense pour ce que je viens de faire. J'ai terriblement honte pour ce que je viens de faire. Ah, mais non, elle est avec. Oui, elle est déjà sous contrat avec Wrestling is Life. C'est vrai qu'Emile. Angel Rose, pardon. Angel Rose a. Ah oui, je confonds avec Emily Rose, l'actrice dans Heaven. Je me disais pourquoi je l'appelle Emily. Oui, si, si. Emily Rose, c'est une actrice. Heaven, une série dans laquelle elle jouait Edge d'ailleurs. Hein. Une série de sci-fi. Oh! Wow, ah d'accord, merci, c'est sympa. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Oups. Ah ouais, bah je m'autorise là, t'as vu? Wrench, t'as entendu ça? Ha. Elle parle la bagnole. Ouais, et moi en attendant, j'ai réussi à faire un truc encore plus cool. J'ai obligé une voiture de police à faire marche arrière. Ha. Ah, excellent. Allez, provoque vers la foule, comme ça j'ai un petit bonus de momentum, parce que ouais, je suis très vexé, je voulais exploser la tête de Darren Young contre. Mais j'ai rien fait! Contre le poteau. Oh, monsieur, ça c'est scandaleux! J'ai même pas fait un pas pour aller rejoindre Darren Young! Et c'est l'arbitre qui m'a dit non, non, n'y allez pas, monsieur, n'y allez pas! Bah, j'y allais pas y aller, abruti. Pour la peine. Je devrais frapper l'arbitre encore une fois. Il le mériterait en tout cas. Il le mériterait. Et normalement, ça suffit pour. En fait, je vous explique ce qui me gêne là. En fait, comme je suis assis sur mon coussin, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent et dans celui-ci. Je suis assis en fait enfin en tailleur. Et du coup, je m'étais assis sur une jambe. Et là, j'ai décroisé les jambes. Et bah, du coup, j'ai des fourmis dans la jambe droite. Donc, c'est légèrement gêné. Et ça, t'arrives à le parer? Non, je crois pas. Non, j'ai dit non. Pas de coup spécial, Devon. Par contre, Phoenix Splash, oui! Oubliez ce que je viens de dire. Cheval bâton. Quoique la théière, ça aide pas mal. Non, le cheval bâton, parce que là, les guêpes samouraïs, je pense qu'on va rencontrer souvent. Ouh, en plus, il est joli. Avec sa magnifique crinière, sa crinière d'acier. Le combo avec le. Enfin, l'enchaînement avec le cheval bâton. Oh, c'est beau! Magnifique cette attaque. Oui, mais je ne suis pas intéressé. Le mec, Paul Heyman arrive. Hey, je te veux dans mon équipe. Nope. Mon dieu qu'il est moche. Donc Lance Alexander fait équipe avec Baron Bl avec Baron Blade, excusez-moi. J'ai failli vomir en prononçant son nom, c'est. Ah. Bah voilà Seth, je t'avais pourtant prévenu. Attention, Exploder Suplex, et j'en ai rien à faire. Bug ou pas bug, je place. J'en ai rien à faire, tu vas rester là. Il fait tout pour m'énerver. Bon. Voilà. Allez, AJ Styles sur le tablier. Oh! Le 450 splash sur l'arbitre. Et en plus, il s'en vante. Bah, c'est le moment idéal pour revenir. Oh! Et bah, pas du tout. Il était aux aguets, AJ. Il était aux aguets. Vous n'êtes pas encore très célèbre. Oui, c'est ça.
Attendez un petit peu qu'on ait 100 000 abonnés. Vous changerez d'avis. Ah, là on dit plus rien, hein. Ah. Là on dit merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Ah, je crois. Attendez. Ça se casse? Non, ça se casse pas. Ah non, c'est le truc qui donne la fumée au Bombix. Est-ce que la guêpe est tombée? Bon, ok. Ouais, univers WWE, soyons fous! On est là, en direct, ce soir, on va s'amuser. Vous êtes prêts à prendre votre pied? Vous êtes prêts à assister à du jamais vu? Alors que la fête commence. Ils ont pas l'air super chauds, hein. Ok, c'est bon, on se casse. Hey, t'es où, feignasse? Ici, et ça fait un moment, feignasse. Au moins, moi, je me suis pas gouré d'immeuble. Oh. Oh, putain. Merci pour le coup de main. Styles est au sol, je suis sur troisième corde, je m'élance, c'est pas esquivé. Phoenix Splash, ça a touché. Et AJ Styles se dégage. Je repense au truc du psy, c'est quand même assez paradoxal. Parce qu'il dit tout le temps, oublie tes mauvais souvenirs, oublie tes mauvais souvenirs. Bref, oublie toute cette histoire avec ta famille qui est morte et tout ça. Et bizarrement, c'est dans des souvenirs qu'on se souvient que le psy nous a dit d'oublier. Ah, la thérapie fonctionne pas tellement, hein. Il faut que tu oublies, Alice. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mais, vous voulez que j'oublie quelque chose, mais que je me souvienne d'autre chose? Hein? Tu n'as pas oublié, Alice. Tu n'as pas oublié ce souvenir. Ah, pardon, j'ai oublié d'oublier. Ouh, attention, Cena qui contre. Mince, j'ai pas réussi à contrer ça, sérieux? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Cena... John! J'ai déjà dansé avec Cesaro. Monsieur l'arbitre, faites quelque chose là. Monsieur Cena a semble-t-il un problème. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Oui, toutes les grandes superstars connaissent des hauts et des bas. Oui, mais est-ce que toutes les grandes superstars connaissent des bugs? John? John? John, il faut arrêter maintenant. Mais je suis vraiment coincé, voyez-vous? Parce que je peux pas recommencer. Et si je quitte le match, je le perds. La solution est donc de... Non. La solution est donc carrément de quitter et de revenir plus tard. Voilà, à plus tard. Dans des missions un petit peu plus dangereuses, genre infiltration, évasion, tout ça. Ouh, le backflip. Oh, le mec, il fait juste un salto arrière pour sauter en bas. Oh, le frimeur, quoi. Mais j'avoue, c'est bien joué. Ouais. Ouais, et maintenant, tu descends comment, beau gosse? Tu descends encore avec un backflip, et là, t'en fais un autre, peut-être? Eh ben oui. Oh, mais je me prends une magnifique Fisherman Suplex de la part du père Lesnar. Eh oui, si vous êtes passage, c'est pas le père Fouettard qui va venir cette année, c'est le père Lesnar. Il va vous emmener à Suplex City. Oh purée, j'imagine bien le mec qui dégringole dans la cheminée, qui débarque dans le salon, qui fait une souplesse au sapin. Mince, l'esquive était super mauvaise. J'ai l'impression que les petites ruines ne sont là que pour qu'on puisse se soigner. Et au moment où je me soigne, l'une des grosses ruines me fonce dessus. Ouais. Bon, je vais préparer ce petit connard pendant que toi, tu vas nous chercher de la caféine. Quoi? Tu veux que je prenne des cafés pour vous deux? C'est un robot. C'est pour toi et moi, la caféine.
Ah, ok. Lui, il prendra un déca. Viens par là. Allez. Et tu bouges pas. Voilà, Becky, surveille-le. Elle le regarde tellement méchamment. Et le plongeon arrive. Boum! Oh, Michael Cole, là, il a sorti un « Oh my God !» Absolument énorme. Oh mince. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait placer le People's Elbow. Ah bah oui, j'avais raison en fait. Il va placer le People's Elbow. Bon, dans tous les cas, vous savez que je ne perdrai pas ce match, à moins que j'ai pas ma révolte. Si normalement, je devrais avoir assez d'endurance. Oh là là, Becky Lynch est catastrophée. Et je me dégage, bien entendu, grâce à la révolte. Mais je la voyais, les deux mains sur les joues. Genre, ah mon Dieu,